Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'exploitation de la ligne d'interconnexion des réseaux électriques de la Côte d'Ivoire et du Mali. À la suite d'une étude de faisabilité examinée par les deux pays, l'on enregistre pour le Mali un déficit prévisionnel de 47 MW à partir de mars 2014. Cela s'explique par l'indisponibilité de certains des groupes thermiques et hydroélectriques. Fort de ce constat, la partie malienne sollicite une puissance supplémentaire de 30 MW au premier trimestre et de 50 MW à partir du second trimestre 2014. Aujourd'hui, nous sommes face encore à un déficit de production qui nous amène à nous retourner vers nos frères ivoiriens. Nous avons compris il y a très longtemps que la solution à ces problèmes énergétiques reste toujours des solutions régionales. Nous sommes venus solliciter encore le soutien de nos frères ivoiriens de voir la possibilité d'augmenter la quantité d'énergie qu'ils ont bien voulu mettre à notre disposition depuis la crise du Mali. Après analyse des contraintes de son réseau électrique, la partie ivoirienne indique sa disponibilité à examiner cette requête. J'ai été instruit par M. le Président de la République et par le Premier ministre d'examiner dans l'urgence votre requête et de faire en sorte que la solidarité que la Côte d'Ivoire a manifestée au Mali pendant la crise se traduise aussi dans nos deux départements. Les ministres maliens et ivoiriens ont décidé de proposer à leurs chefs d'État respectifs que l'inauguration de la ligne d'interconnexion du réseau électrique Côte d'Ivoire-Mali se tienne à Sikasso au deuxième semestre 2014.